et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravie de vous présenter cette nouvelle émission d'aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mes invités qui sont déchaînés, permettez-moi de vous le dire, de grands comédiens après Albert et Charlie pour l'un et le manteau de Janice pour l'autre, pour lesquels ils étaient venus nous voir. Ces deux bêtes de la scène française ont enchaîné avec Borderline au théâtre de Passy. On les retrouve alors avec cette pièce dans une histoire de psy. Daniel Rousseau et Philippe Lelièvre sont avec nous pour nous parler de cette histoire qui bouscule nos idées avec une bonne marade à la clé, comme le permet, je crois, et le promet cette émission, un portrait croisé et puis un coup de cœur, évidemment, à la fin de cette émission à 16h05. Restez avec nous, on démarre cette émission sur Radio J. 15h-16h30, Cyrielle Sarah-Cohen. Radio J. Oh là là, c'est un démarrage d'émission un peu covidesque. Oui. Bonjour Daniel Rousseau et bonjour Philippe Lelièvre. Vous démarrez bien. Non mais les auditeurs ont dû nous entendre un peu sourire, rigoler. C'est-à-dire que Daniel Rousseau, je le dis hein, devant la France entière, n'arrivait pas à mettre son casque. Et vous l'avez aidé pour ça? Je l'ai aidé, c'est un peu mon... Non mais l'écouteur était à l'envers. Oui, il suffisait de le retourner. Donc il était prêt à se retourner pour mettre le casque à l'envers. J'ai bien l'impression. Merci beaucoup d'être mes invités aujourd'hui. Vous me faites beaucoup sourire depuis que vous êtes arrivés avec ces petites punchlines qu'on entend un peu partout voler. Vous venez nous voir pour cette actualité Borderline. On va découvrir bien sûr qui vous êtes au-delà de ce que vous faites avec ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, un portrait croisé entre tous les deux. On va voir ce que ça donne. Mais tout d'abord, on démarre cette émission avec une petite règle, une nouvelle règle. Trois mots pour vous décrire l'un et l'autre. Pour que je décrive Daniel? Eh bien, soit vous vous décrivez vous-même, soit... Et ce serait très amusant de voir justement ce que vous pensez de Daniel et inversement. Trois mots. Trois mots. Je commencerai par un ours. Ok. Sur la force, sur le caractère. je dirais également hospitalisé, donc... Et dentiste, c'est parce que et lui seul sait pourquoi. Voilà. Très bien. Et vous, cher Daniel? Un peu fêlé. Ouais. Gentillesse. D'accord. Et travailleur. Travailleur, ça c'est joli. Non, là oui. Et on va voir si ça colle tout du long de cette émission, évidemment. Et on a envie de coller, bien sûr, avec votre actu. Donc je vais essayer de vous mettre un peu sur le divan aujourd'hui. On commence avec le début, toujours le début. Daniel Rousseau, vous êtes né un 13 mai, fin des années, on ne dira pas, à Paris, alors que Philippe Lelièvre n'était pas encore un projet, si je puis me permettre. Votre enfant, cher Daniel, n'est pas l'une des plus évidentes, comme vous nous l'aviez confié. Bébé, vos parents se séparent et font de votre enfance une mission ballotage, de bras en bras, alors que celle de Philippe Lelièvre est sans doute plus choyée, mais gouvernée aussi par l'envie de s'en sortir. Est-ce qu'on peut vous attribuer cette chose en commun? L'envie, en tout cas. Le début de la phrase est bien pour nous deux. L'envie de tout. Ouais. L'envie du travail, l'envie de la vie, l'envie de rencontrer, la curiosité. Et l'enfance, certainement que l'enfance de Daniel, puisque maintenant nous côtoyons depuis quelques mois, je sais que l'enfance de Daniel n'a pas été si simple que ça. Est-ce que vous aviez des rêves d'enfant, Daniel Rousseau? Oh ben on a toujours des rêves, bien sûr, évidemment. Et puis il y a surtout des choses qu'on ignore. Il y a plein de choses que j'ignorais totalement. Et d'ailleurs un Noël en famille, je savais pas ce que c'était. Vous voyez, donc quand c'est arrivé, c'était assez génial, bien sûr. Vous, Philippe Lelièvre, vous avez connu ça. Vous avez connu ces Noëls-là. Est-ce qu'il y avait des rêves différents de ce à quoi on pouvait s'attendre? Est-ce que vous rêviez plus grand? Je rêvais, déjà. Je m'ennuyais, parfois. Je reproche pas ça à mes enfants, mais aujourd'hui, tout le monde veut toujours être en hyperactivité. Moi, quand je m'ennuie, c'est là où j'ai le plus d'idées, finalement. Donc, je rêvais, oui. Et je rêvais au métier que je fais aujourd'hui. Donc, la récompense est magnifique. C'est-à-dire que d'avoir envie de faire son métier toute sa vie, c'est sublime. Quand on voit les gens, ils ont envie tout de suite de partir à la retraite, de faire autre chose. Nous, on a cette chance, et cette chance inouïe, de faire notre métier jusqu'au bout, si Dieu le permet. À 18 ans, Daniel Rousseau, vous nous l'avez confié la dernière fois,
un coma, vous tombez dans le coma, mais vous revenez parmi nous parce que vous aviez des choses à accomplir, à faire de votre vie. Et alors, en préparant cette émission, je me suis posé cette question, je me suis dit, est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment de l'avoir fait ? Pour l'instant, c'est bien. Je suis sur la bonne ligne. Non, mais absolument, c'est vrai. Non, c'est fou quand ma tante m'avait dit, toi, tu es revenu parce qu'ils n'ont pas voulu de toi. Ça veut dire que tu as quelque chose à faire. Et ça m'est resté, hein. C'est terrible. Mais c'est comme ça, c'est comme la jeunesse. Moi, c'est mon enfance, j'ai pas eu d'enfance, quoi, bon. Mais ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Parce que le fait, justement, de ne pas être secondé en étant gamin, ça te donne une force intérieure. J'ai acquis cette force. Tout seul. Mais je sais que je dois beaucoup à cette enfance pas très belle, quoi, voilà. Mais je pense que ça a joué, ça. Absolument. Ouais. Ça te donne quand même une manière de foncer dans le tas. Après, tu veux y aller, quoi. Voilà. Philippe Lelièvre, est-ce que vous, le petit enfant que vous étiez, est content de l'adulte que vous êtes devenu ? Faudrait demander à l'enfant que j'étais, ça. Oui, est-ce qu'on peut être content de soi-même ? Je ne sais pas. C'est comme se voir, vous savez, dans une scène à la télévision et ne pas pouvoir la refaire. Donc, finalement, on n'aime pas ce qu'on est au moment où on se voit, parce qu'on aurait peut-être fait autre chose, etc. C'est pour ça, est-ce que je suis content ? Donc, je laisse le moment présent se dérouler devant moi et ne pas avoir d'avis sur le passé. Et je suis pas du tout un passéiste. J'ai même trop d'avance parfois. Je suis en train de faire des choses et j'ai déjà envie d'être après. Après. Vous êtes passionné de dessin, Daniel Rousseau, et de peinture, alors qu'à votre âge, Philippe Lelièvre sera fou de théâtre et de jeux de scène. Vous intégrez l'école Boulle en vue de devenir décorateur d'intérieur, de reprendre l'entreprise familiale, ce qui n'est pas sans rappeler l'actualité, puisque nous avons traité hier avec Philippe Recoing un film qui s'appelle Le Grand Chariot, en salle aujourd'hui pour les auditeurs qui nous suivent. Et vous allez faire la rencontre du célèbre acteur Robert Lamoureux, qui va déclencher votre révélation avec le théâtre. Vous entrez alors à l'école de la rue Blanche, puis au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, où vous remportez 4 prix. Et c'est à peu près à la même période, 2 ans plus tard, que vous, Philippe Lelièvre, vous commencez à vous former par vos cours de théâtre, mais dans le quartier, puisque vous êtes encore tout petit. Est-ce que l'on peut considérer aujourd'hui que le théâtre vous a sauvé ? Et l'un et l'autre. Moi, oui. Ah, mais moi, oui, puissance 10. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Parce que... Enfant, j'avais beaucoup d'amour. Mes parents ne s'occupaient pas énormément de moi, mais il y avait énormément d'amour, donc j'étais livré à moi-même. C'est ce qui vous fait ce petit lien en commun, si je puis me permettre, dans des structures familiales totalement différentes. Opposées, total. Mais avec quand même ce cœur qui vous unit. Oui, bien sûr, absolument. Ouais, oui. Et puis je crois qu'on s'est fait... Enfin, moi, dans ma famille, ni de près ni de loin, il y a d'artistes, quoi. Donc on se demandait d'où je sortais. Pareil. Et voilà. Pareil. Donc c'est juste... Mon père, quand j'ai commencé à lui dire, parce que je lui avais caché que je prenais des cours de théâtre, parce que ça, je savais que c'était pas bien pour lui, quoi. Mais c'est le jour où je lui ai annoncé. Ça a été terrible. Voilà, j'ai dit, papa, j'ai quelque chose d'important à te dire. Il me dit, déjà non. C'est là où je lui dis, voilà, je vais tenter la rue Blanche et le conservatoire. Je voudrais être comédien et je lui ai avoué que je prenais des cours et que je n'avais pas dit, quoi. Et ça a été terrible. Bah, c'est terrible. C'est un peu pareil parce que moi, je prenais déjà des cours, mais mon père ne prenait pas ça très au sérieux. J'avais une petite compagnie, donc je dormais quelquefois dans la salle des fêtes. Il me disait, enfin, t'as une chambre, pourquoi tu dors là-bas ? Parce que j'aimais tellement cette ambiance-là. Et effectivement, je me rappelle exactement de là où j'étais dans ma chambre quand je lui ai annoncé, papa, j'arrête tout. Ça faisait longtemps que ça traînait, mais il ne prenait pas ça très au sérieux. Voilà, je veux être comédien. C'est un risque qu'on prend, un choix de carrière qu'on fait. Non, mais c'est surtout le fait que moi, je ne voulais pas lui faire de peine. C'est ça. Parce qu'il s'est tellement battu pour moi, vraiment, pour avoir ma garde. Il s'est occupé de moi. Je ne voulais pas lui faire de peine et c'était ça, mon angoisse. Voilà. Et quand je lui ai dit ça, il m'a dit, mais c'est... Tu abandonnes tout alors ? Ton métier et tout ? Ben j'ai dit oui, sinon je le regretterai toute ma vie.
Ce que vous avez en commun, c'est d'avoir fait des études. Parce que vous, vous faites cette formation de décorateur d'intérieur, Daniel Rousseau, comme je viens de le dire. Et vous, Philippe Lelièvre, vous allez quand même passer votre bac, faire un BTS, faire même une école de publicité pour réaliser des campagnes. Ce que vous parvenez à faire, vous êtes donc derrière la caméra et le micro, en passant par la radio avant d'arriver devant. Et vous, Daniel Rousseau, vous allez faire le chemin inverse. En étant devant, avant d'opter un peu aussi pour l'ombre du doublage de voix, pour des acteurs notamment comme John Travolta, est-ce que ces expériences vous ont frustré, formé, galvanisé pour le reste? Bah, c'est-à-dire, moi, la synchro, j'ai fait ça parce que j'ai eu un accident, j'en ai eu des trucs, disons, étant gamin. J'ai voulu montrer aux copains comment Tarzan faisait pour passer d'une liane à l'autre. Oh. Et bien sûr, j'ai raté la liane. Je suis tombé et je me suis fracturé la mâchoire. Donc, il a fallu réapprendre à parler. Voilà. C'est comme ça que j'ai rencontré un premier professeur de diction. Voilà, qui m'a dit, ne t'inquiète pas, et il m'a indiqué tous les trucs à faire. C'est-à-dire que quand je travaillais en tant que décorateur, j'avais mes bouquins de théâtre dans la poche, et je faisais tous mes exercices toute la journée, du matin au soir. Il me prenait pour un dingue. Autour de moi, les gens me disent, mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il a un crayon dans la bouche tout le temps? Et voilà, donc la synchro, je voulais me prouver à moi-même que je pouvais travailler qu'avec ma voix. Parce que je m'étais quand même... battu pour ça. Voilà. Ouais. Et ça, pour moi, c'était un challenge. Et en même temps, j'ai doublé des acteurs magnifiques comme Harvey Keitel, puisqu'on en parle, et que quand tu doubles et que tu dois approcher le travail d'un acteur pareil, ça fait plaisir. Parce que c'est un grand, grand, grand comédien. Dans votre cas, un grand challenge pour vous, Philippe Lelièvre? J'ai oublié la question. Vous avez fait pas mal de choses juste avant de devenir acteur, avec cette école de publicité, votre bac, ce BTS, vous avez réalisé des campagnes. Est-ce que ça vous a formé, frustré, galvanisé, cette expérience-là? Vous en gardez quoi, grosso modo? Si on parle du père, et puisqu'on parle d'analyse, moi j'ai fait ça aussi pour mon père. C'est-à-dire d'avancer dans les études, lui n'a pas pu faire ce qu'il a voulu. Il voulait faire des études de commerce, il a voulu que je fasse des études de commerce. Elle n'était pas de commerce, mais en tout cas, c'était des études. C'était pour lui faire plaisir, mais j'ai jamais arrêté mon métier d'acteur, déjà dans ma tête, avec des cassettes. J'enregistrais plein de trucs. Je regrette d'ailleurs d'avoir... ma maman a perdu ça. Elle avait ça sur des cassettes, tous les trucs que j'inventais, des scénarios, avec les bruitages, avec tous les acteurs, etc. Mais moi, je n'ai jamais cessé d'être acteur. Et pourquoi je suis heureux de vivre tous les jours, c'est parce que je suis heureux d'être acteur, mais au-delà de l'entendement. C'est-à-dire que c'est pas du tout pour moi, c'est ma vie, quoi. Je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autre. On embrasse votre maman au passage, parce que je sais qu'elle a téléphoné tout à l'heure et je tiens à lui faire un bisou. Tout va bien, maman. Je note entre vous, en effet, cette volonté de faire plaisir au père. Daniel Rousseau, vous allez jouer votre première scène en 73 dans Le Paysan Parvenu d'Albert Husson d'après Marivaux. Vous épousez le grand écran en 76 dans le grand film Le Juge et l'Assassin de Bertrand Tavernier. Et vous, Philippe Lelièvre, vous arrivez 2 ans plus tard encore une fois en 78 dans L'Amant de poche de Bernard Cassane. Oh, et 2 ans plus tard, vous êtes à la manœuvre de votre première mise en scène, Genoussie, de René Obaldia, pendant que Daniel Rousseau joue sur les planches du café-théâtre des Blancs-Manteaux. Finalement, vos parcours s'entrecroisent et finissent par se toucher à un moment, avec le film 9 mois en 94 de Patrick Braoudé, mais sans jamais que vous vous croisiez. C'est fou. Il est co-scénariste du film, il a un rôle important. Moi, je suis venu une journée, si je me souviens bien, je crois que c'est ça, j'ai une scène où j'arrive avec une valise, avec plein de fringues, et finalement, on m'annonce que c'est des jumeaux, et je me dis que j'ai pas assez de fringues pour les deux. Voilà. Mais et tout ça est parti parce que avec Patrick Braoudé, le réalisateur du film, on a commencé ensemble dans les années... Toi, tu étais... Donc, j'apprends que tu étais au Blanc-Manteau, moi, j'étais au Point-Virgule. Avec Patrick. Mais je sais, parce que ma sœur m'avait dit, t'as ton cousin, ouais. Parce que Braoudé est mon cousin, joue à côté. Et c'est comme ça que j'ai su que vous étiez à côté. Voilà. Et c'est drôle parce que je t'ai même pas rencontré là. Non, mais je ressemblais à rien. Oui, d'accord. Tu m'aurais pas reconnu. Plus de 40 ans de carrière à tous les deux, en alternant théâtre, cinéma, télévision, une centaine de films et séries, plus de 30 pièces de théâtre pour vous, Daniel Rousseau. Philippe Lelièvre, près de 30 pièces de théâtre en tant qu'acteur, près de 20 mises en scène, 20 films au cinéma et plus de 40 films ou séries pour la télé.
aujourd'hui, vous venez nous voir tous les deux pour nous parler de votre pièce en commun, Borderline, de Flavia Coste, mise en scène par vous, Daniel Russo, au Théâtre de Passy, du mercredi au samedi à 19h, le dimanche à 15h. D'abord, comment cette pièce de théâtre est arrivée entre vos mains et est-ce que l'un des deux l'a proposée à l'autre et qui ? Non, Flavia Coste m'a envoyé la pièce en me disant voilà, je pense que c'est pour toi. Si ça te plaît, tu fais ce que tu veux. J'ai lu la pièce, j'étais emballé et je lui ai dit, je l'appelle, j'ai dit écoute, j'ai envie de tout faire, j'ai envie de la jouer, j'ai envie de la mettre en scène. Elle me dit ben allons-y, on fonce. Et là, Flavia d'un seul coup m'a parlé de Philippe qui jouait à côté de moi, dont on était dans le même théâtre. Mmh. Pas dans, mais, toi dans le gros, moi dans le petit. Dans l'année dernière, et on se voyait d'ailleurs le soir. Hein, et quand elle m'a parlé de Philippe, évidemment, ça fait tilt, bien sûr. Une pièce où Daniel Russo, vous êtes dans la peau d'un psychiatre, Michel Dupuis, et vous, Philippe Lelièvre, dans le rôle de Pavel Boulier, le patient. Et alors, tout va se compliquer quand, au début de la pièce, le patient annonce à son psy qu'il va mieux. Ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la vie courante. Et il y a cette question de savoir à quel moment on quitte son psy. Ah, ça c'est une grande question qui est soulevée dans cette pièce-là. Oui, qui décide que c'est terminé. Et c'est fou parce que je pense qu'on va avoir pas mal de gens qui vont nous attendre et nous parler de ça. Parce que ça touche beaucoup de gens, ça. Et c'est ce que j'allais vous dire. Vous avez démarré il y a quelques jours à peine, mais est-ce que certaines personnes sont venues vous voir et qu'est-ce qu'ils commence. Vous ont dit? Bien sûr, absolument. Ils disent quoi, les gens? Bah, c'est-à-dire que c'est... D'abord, ils n'osent pas trop dire qu'ils vont voir un psy. Ah oui, il y a encore ce tabou du psy. Oui, c'est drôle. Alors, tu es obligé de leur dire. Mais vous avez déjà été voir un psy? Bah oui. Et alors? Ça a été long, ça a été... Alors, tu te dis quand même que la pièce reflète bien tout ça, quand même. Hein? Et ce qui est amusant, c'est que les gens en rient. C'est-à-dire que ceux qui ont fait une analyse, on ne leur pose pas de questions, non plus, on ne fait pas des débriefs, mais on sent bien qu'il y a des gens qui donc, ont été en analyse, que, alors je ne sais pas si oui ou non ils ont essayé de quitter leur psy, mais en tout cas, ils en rient. C'est-à-dire que cette comédie de Flavia Coste, cette comédie dramatique, comme tous les sujets un peu lourds, un peu durs, si ça dépend quel biais on prend, elle fait rire. Elle fait rire. Il faut en rire, justement. Dieu merci qu'il faut en rire. Bien sûr, absolument. Mais cette rencontre, elle est totalement... on ne sait pas comment on s'est rencontrés. En tout cas, j'ai le sentiment que ça fait bien 10 ans que je suis allongé chez le docteur Dupuis et que, voilà, et que je vais mieux, que j'ai le sentiment d'aller mieux et qu'il va me faire comprendre doucement que je ne vais pas nécessairement mieux. Parce qu'on a affaire... Le personnage de Pavel Boulier... On est au-delà du patient, on est proche de la folie. On est sur un borderline. C'est quoi un borderline? C'est ça. Un borderline, c'est une émotion tous les trois mots. C'est-à-dire que dans une phrase, il y a 140 émotions. C'est ça. C'est le trouble de la personnalité borderline qui est caractérisé par un schéma omniprésent d'instabilité dans les relations, l'image de soi, les humeurs, le comportement et l'hypersensibilité à la possibilité du rejet et de l'abandon. Clairement, on est dans tout ça dans la pièce, où le patient est en l'occurrence réellement un fou, parce qu'on se pose la question quand même à un moment donné de savoir s'il est lucide ou non, qui tente de faire admettre alors à son psy qu'il est guéri et tente de le quitter. Et ce qui se joue ici, c'est quand le psy justement tente de faire entendre à ce fou que ce n'est pas possible. Le docteur Dupuis indique à son patient qu'il l'a appelé le matin même encore à l'article de la mort, si je puis dire. Il a même oublié. Mais c'est ça. Il a oublié qu'il l'avait appelé. C'est ça. Et moi, qu'il a oublié. Ouais, ouais. Et c'est ce qu'il dit. Et alors, il lui dit qu'il va mieux pour tout un tas de raisons, qu'il va essayer de signifier tout au long de la pièce. Et ce médecin lui indique qu'il faut d'abord procéder à une stabilisation du moi profond pour aller vers la résilience. Ce mot est très cher au cœur de beaucoup de personnes aujourd'hui. Il est pour le coup de moins en moins tabou. On en parlait encore en début de semaine, lundi, avec mes invités Laurie Lag et Martin Petit qui sortaient un livre avec ce thème, écrit Résilience. Qu'est-ce que la résilience pour vous? Qu'est-ce que la résilience pour toi qui, Qu'est-ce que je te souhaite hein. Non, mais la résilience, c'est d'être tout à coup d'accepter. La résilience, c'est accepter ce que l'on est. Mais je crois que lui... Et de comprendre. Et de comprendre. Qui l'on est. Et je crois qu'à travers son thérapeute qu'il veut quitter, il ne comprend pas bien nécessairement qui il est. Il croit comprendre, il se trompe. Et j'en dévoilerai pas plus parce que ça va très loin dans l'erreur.
cette pièce. Oui, ça va loin. Ça va très loin. Ouais. Alors moi, je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire ou de ne pas dire, mais en tout cas, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin avec vous. La résilience, je pense que tous les deux, d'une manière ou d'une autre, et comme tout à chacun, vous en avez usé dans votre vie. Dans le cas de notre patient, Pavel Boulier, on ne peut pas faire pire, si je puis me permettre. Sa femme le trompe. Il a été licencié sans indemnité de chez L'Oréal. Il a été trahi par son collègue qui lui pique sa Légion d'honneur et il se persuade d'aller mieux et minimise tout en disant que c'est son psy qui est pessimiste lorsqu'il aide à ouvrir les yeux. Et finalement, ça promet des réactions et des échanges très cocasses, très drôles tout du long. Est-ce que vous vous marrez dans cette pièce? En tout cas, nous, on rit beaucoup. Ah bah oui, mais c'est fait pour ça. Mais nous, c'est beaucoup de rigueur. Vous savez, la comédie, c'est très fragile. Il suffit simplement de mettre un temps en trop et les gens ne rient pas. Et là, on a besoin de cette rigueur. C'est pour ça qu'on a vraiment beaucoup travaillé. Hein. Et c'est ce que je disais à Philippe, comme son personnage n'a aucune suite dans les idées, c'est pas facile ce qu'il fait tous les soirs parce que à la seconde, il change d'intention. C'est ça qui est magnifique. Ouais. C'est ça qui est magnifique. C'est fatigant, mais c'est tellement salvateur, c'est tellement... C'est bien, pour quoi. Pour un acteur, c'est merveilleux. Ouais. Voilà ce que ça veut tout dire. C'est galvaudé de dire, t'es fou. Non. Lui, je crois que vraiment, c'est l'image d'Épinal du dingo, quoi. Ouais. Dans cette pièce, vous jouez ce qu'on appelle dans le jargon psy, le psychodrame, c'est-à-dire que l'un va prendre la place de l'autre pour rejouer une scène dans la vie réelle, de ce qui s'est passé dans le passé. Je me permets de vous dire que je serais très curieuse de revoir cette pièce avec l'un et l'autre à la place de l'un et l'autre, c'est-à-dire vous dans le rôle du psy, Philippe Lelièvre, et vous, Daniel Russo, dans la peau du patient. Est-ce que vous y avez pensé ? Je crois que Daniel peut jouer les deux aussi. C'est ça. Mais d'ailleurs, on peut peut-être faire une proposition au directeur du théâtre. En alternance, je fais le psy. On peut faire ça le dimanche. Oui, le dimanche. J'aimerais beaucoup parce que je vous imagine aussi bien et l'un et l'autre dans ces deux rôles. Mais ça peut. Et je serais très curieuse. Alors voilà, je me permets de vous dire parce que j'y ai beaucoup pensé. Ça tout peut du le long, faire. Ça même peut si faire. Vous êtes très bien dans la peau des rôles que vous avez aujourd'hui. Forcément, il va se passer beaucoup de choses dans cette pièce de théâtre parce que vous êtes dans un rôle et l'un et l'autre. Mais ne serait-ce que puisqu'on parle de changer et jouer au jeu des chaises musicales, à un moment donné, un petit retournement de situation dans la pièce que l'on attend à tout moment avec ce téléphone qui sonne, vous dans la peau du psy ou votre femme vous harcèle, on se demande à quel moment ça va éclater. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans la vie de votre patient. Alors, est-ce que ça va se passer? Est-ce que ça va pas se passer? Moi, j'ai envie de garder le mystère entier. Oui, on est bien d'accord? Ah oui, parce que ça va loin quand même. C'est ce qui m'a plu dans la pièce. Quand j'ai lu la pièce, je me suis dit, au fur et à mesure, mais on va où là? On va où? On va où? Elle y va. Mais oui, ça va très loin, bien sûr. Et surtout, ce qui est important, je dis ça pour les gens qui ont peut-être peur de dire qu'ils vont voir un psy ou parce qu'ils ont des problèmes, on ne s'en moque pas. On ne se moque pas des gens. Voilà, c'est très important. Non, quand j'avais joué Toc Toc, c'est quand même les tocs. Il y a plein de gens qui ont des tocs. Hein. Eh bien, il y a une dame qui m'attendait à la sortie et elle m'a dit, vous savez, Monsieur Russo, vous m'avez fait rire avec ce qui me fait souffrir. Mmh. Et là, j'ai dit... Une belle récompense. Là, je me suis dit, on a gagné, quoi. Et là, c'est pareil. On ne s'en moque pas. On ne s'en moque pas, d'abord parce que Flavia Coste, qui a écrit la pièce, ça a été un pan de sa vie aussi. Elle raconte quelque chose, c'est pas sorti de nulle part, cette pièce. Donc, c'est une partie d'elle. Elle nous parle un peu d'elle aussi. Oui, mais enfin, elle a du mal à s'en sortir. Pendant la répétition, on était obligé de la ligoter sur un fauteuil dans le foyer, même pas dans la salle, parce que sinon, on entendait. Non, mais il est vrai, en vous écoutant, que c'est une pièce, en effet, qui, d'une part, l'un et l'autre, vous pousse dans les retranchements de la vie, du quotidien. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont bien, d'autres qui vont un petit peu moins bien, et on peut se retrouver dans certaines réactions. Et notamment, alors on dit que c'est un petit peu imaginé, mais pas que, parce que même si vous vous moquez pas, il y a une chose qui est indéniable, c'est que les psys ont ces petites phrases là qu'on a le sentiment d'entendre à chaque fois, et notamment ces proverbes que vous employez dans la pièce à tout bout de champ. On est mort de rire. Ah bah oui. Surtout qu'ils font le tour du monde. Il y a du proverbe japonais, du proverbe africain. Oui. Il y a du chinois, du japonais, du québécois, du congolais. Alors il y a du malien. Il y a du malien. Et du basque. Et du basque. Hein?
et du basque. Mon préféré vient du Talmud, celui qui sauve une vie, sauve l'humanité. On l'a beaucoup employé ces derniers temps, notamment dans les mots d'Arthur, notamment pour ce qui vient de se passer avec ce séisme au Maroc et voilà ce qui va être mis en place. Et alors, on rigole parce que ces proverbes, c'est quand on est à l'eau, il faut nager. Celui-là, typiquement, on est mort de rire. Bah oui. Bah oui. Parce que c'est évident. Mais bien sûr. Et il y en a d'autres. Le plus difficile quand on chevauche un tigre, c'est d'en descendre. Je ne vais pas, évidemment, tout révéler. Mais oui. Il y a encore une fois un hasard qui n'est pas un hasard. Parce que vous avez joué dans un groupe de musique qui s'appelle Les Proverbes. Donc c'est dire si cette pièce, finalement, vous était un petit peu destinée, Daniel c'est Russo. C'est vrai. Non. Ça s'appelait Les Proverbes. Je savais que tu avais un groupe, mais ça s'appelait Les Proverbes. Oui, on s'appelait Les Proverbes et on n'avait pas fait le rapprochement avec les problèmes du groupe d'Antoine. Et alors, chaque fois, les gens nous engageaient dans les discothèques. Ah oui, oui, d'accord. C'était les discothèques à l'époque. Et on disait, bon, alors, et Antoine, il arrive. Et nous, on n'avait pas capté. Qui nous prenait pour le groupe des problèmes. Les problèmes avec les proverbes. Voilà, d'accord. C'est ça. Et c'est vrai qu'on a vu ce groupe qui s'appelait Les Proverbes. Et vous faisiez passer. Et le premier groupe, c'était le Magic Star. Le Magic Star, et vous faisiez passer pour Antoine, parce qu'il y avait cette petite confusion avec le groupe d'Antoine. Oui, c'est ça. Alors, non, mais chaque fois, il nous disait Antoine, mais Antoine, il ne venait jamais. Et du coup, vous avez appris à jouer les musiques d'Antoine pour essayer de consoler. D'un seul coup, on s'est dit, tiens, on va faire un ou deux morceaux des problèmes, parce qu'ils adoraient. C'était un groupe qu'on adorait à l'époque, bien sûr, c'est formidable. Allez, vous restez avec nous, on continue cette émission avec Daniel Russo et Philippe Lelièvre pour la pièce Borderline au Théâtre de Passy. On continue d'en parler encore dans un instant avec également nos chroniqueurs Christophe Barbier et Stéphanie Ronchevski qui nous rejoignent pour découvrir les goûts culturels de notre invité, de nos invités. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. 15h-16h30, Cyrielle Sarah-Cohen. Radio J. Passé de 3 minutes sur Radio J, donc 15h33. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Eva Soto. Bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité en Israël, Binyamin Netanyahou dénonce des fake news après la réunion d'urgence convoquée par ses ministres de la Sécurité nationale et des Finances, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, qui affirment que le gouvernement dont ils font partie aurait approuvé un transfert d'armes en provenance des États-Unis vers l'autorité palestinienne. Les deux responsables d'extrême droite disent que la décision a été prise à leur insu. Faux, aucune arme n'a été transférée à l'autorité palestinienne, juste des véhicules blindés, a affirmé le premier ministre israélien Binyamin Netanyahou. Au chapitre sécuritaire, 13 Palestiniens suspectés de terrorisme arrêtés cette nuit des opérations conjointes du Shin Bet, de Tsahal et des gardes-frontières en Judée-Samarie. L'audience de la Cour suprême la plus suivie de toute l'histoire d'Israël, c'était hier. Inédit, les 15 juges se sont réunis, la Cour donc au complet, pour examiner les recours contre la réforme judiciaire. Les résultats de l'audience ne seront pas connus avant plusieurs semaines. Dans l'actualité internationale, la rencontre entre le président Poutine et son homologue nord-coréen, Kim Jong-un, s'est dit convaincu que l'armée et le peuple russe remporteront une grande victoire dans la lutte sacrée pour punir ce qu'il appelle le rassemblement du mal. Aux États-Unis, l'Anti-Defamation League publie son rapport sur l'antisémitisme. Les groupes étudiants sont de moins en moins nombreux à adopter des résolutions en faveur du boycott, mais les activités anti-israéliennes sur les campus ont presque doublé en un an. En France, un juif victime d'une agression alors qu'il se rendait à la synagogue samedi. Ça s'est passé à Marseille, dans le 13e arrondissement. L'homme en kippa a été victime d'insultes antisémites. Il a porté plainte. C'est la police nationale qui est chargée de l'enquête. La présidente de l'Assemblée nationale, elle aussi, a porté plainte après un nouveau courrier antisémite envoyé à sa permanence. Il s'agit de Yael Braun-Pivet. Et merci beaucoup Eva Soto. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite, une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Daniel Russo et Philippe Lelièvre sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J.
Itzik Moschel, directeur de Dialang. Shalom, combien de fois avez-vous essayé d'apprendre l'hébreu ou l'anglais sans réussir à le parler? Dialang vous donne la solution grâce à sa méthode unique d'apprentissage basée sur la pratique intensive de l'oral sans négliger la lecture et l'écrit. Cours en Zoom ou en présentiel. Dialang, prix exceptionnel pour une année, 510€. 510€. Pour connaître les dates des journées portes ouvertes en Zoom ou en présentiel, contactez Dialang au 01 43 64 13 30 ou dialang.fr. L'hôtel El Konin Tel Aviv, le légendaire, le premier hôtel Tel Avivien créé à Neve Tzedek. Avec son design élégant, luxueux, l'hôtel El Konin Tel Aviv apporte une touche de sophistication et de charme à la française dans la ville blanche. Piscine et bar sur toit, face à la mer, spa Clarins et produits d'accueil Clarins en chambre, salle VIP pour des événements intimes. Et ce n'est pas tout. L'hôtel El Konin Tel Aviv vous propose l'époque. Restaurant exclusif avec pour la première fois en Israël, la signature au bûchon, le chef aux 31 étoiles Michelin à travers le monde. Et oui, l'hôtel El Konin Tel Aviv est tout simplement exceptionnel. L'hôtel El Konin Tel Aviv, 00972-3-548-40-00. 00972-3-548-40-00. L'hôtel El Konin Tel Aviv, incontournable. Incontournable. Cette année encore et plus que jamais, de nombreuses familles de la communauté ont besoin de vous. Depuis plus de 25 ans, Mazon accompagne ces familles afin qu'elles puissent célébrer elles aussi la nouvelle année dans la joie et dans la cacheroute. Tous les ans à Rosh Hashanah, c'est plus de 2000 colis qui sont distribués, composés de 80 produits frais et de qualité. Un colis coûte seulement 60€. Envoyez vos dons à Mazon, 34 rue des Grilles, 95 500 Pantin. Ou sur mazon.org. 01 48 21 00 30. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J avec mes invités aujourd'hui, Daniel Russo et Philippe Lelièvre pour la pièce Borderline au Théâtre de Passy, une pièce que je vous recommande chaudement, chers auditeurs, qui soulève plusieurs grandes questions que tous les psychanalysés se posent ou pas. Est-ce qu'un médecin qui va mal potentiellement peut nous soigner? Est-ce que les psys qui ne sont faits que de chair et de sang ne feraient pas un transfert par hasard parfois? Est-ce que les propositions des psys sont des décisions que l'on doit suivre quand l'un dit « je suis là pour vous faire prendre les bonnes décisions » et que l'autre répond « mon psy me dit de faire comme si, comme ça, alors que je dois devenir autonome ». Dans la vie, on ne peut pas penser que ça pourrait aller plus mal, pour aller mieux. Ça, c'est une phrase à retenir. Je vous pose cette question à vous, chers invités. Est-ce que justement, cette pièce vous fait du bien? Ah ben, moi, elle me fait du bien parce que la pièce est bonne. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et mais est-ce qu'elle fait travailler Daniel Russo? Est-ce qu'elle fait remuer des choses? Moi, je crois. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que les gens vont nous parler à la sortie. C'est évident. C'est évident. J'en suis certain, moi. Ça a déjà commencé, d'ailleurs. Elle fait du bien. Là, je prêche pour ma paroisse. Elle fait du bien parce que je me dis qu'il y a quand même des gens qui ne vont pas bien. En l'occurrence, Pavel Boulier. Et donc, je suis heureux d'aller bien et de pouvoir pénétrer ce personnage totalement improbable. Oui, elle me fait du bien. On va passer à la suite de cette émission et je recommande chaudement de venir vous voir au Théâtre de Passy. Dans cette partie d'émission, on découvre toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Et tout de suite, on part au théâtre avec Christophe Barbier pour parler psy. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur! Olé! 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 Bonjour Christophe. Chère Cyrielle, le théâtre moderne adore les psys. On en trouve dans de nombreux succès des 30 dernières années. Mais d'ailleurs, le plus ancien, c'est Le Visiteur. Vienne 1938, Freud, menacé de plus en plus par les nazis, reçoit chez lui un inconnu qui se fait passer pour Dieu. Freud sera-t-il convaincu? Et pas simple. Cette pièce, c'était le premier grand triomphe d'Éric Emmanuel Schmitt. C'était il y a 30 ans, mais ça a été repris récemment avec succès. Suivant Sigmund Freud, on le retrouve, mais dans un registre délirant, avec Hysteria, une pièce de Terry Johnson qui a connu un succès international. La pièce a réjoui Paris en 2002, dans une mise en scène de John Malkovich, avec Pierre Vanek, qui jouait Freud, Marie Gillin, en patiente excentrique et prompte à se déshabiller, et Vincent Elbaz, en Salvador Dali. Et oui, la pièce raconte la visite du peintre surréaliste auprès du docteur pour se faire psychanalyser. Une rencontre qui a vraiment eu lieu, mais dont on ne sait pas grand-chose. Sur scène,
Terry Johnson l'a transformé en cauchemar délirant de Freud qui, il est vrai, vivait ses dernières semaines atteint par un cancer de la mâchoire. La pièce était hystérique, comme son nom l'indique, mais elle était surtout hilarante. Depuis plusieurs années, autre succès, l'irrésistible Jacques Mougenot joue le cas Martin Piche. Piche vient consulter son psy parce qu'il a un grave problème dans la vie. Tout l'ennuie. Quoi qu'il fasse, il est rongé par une immédiate lassitude. Le seul moment où il ne s'ennuie pas, c'est quand il dort. Mais ce récit est trop simple pour être vrai. Et le psy va vite débusquer des secrets bien troublants. Le cas Martin Piche à ne pas manquer si ça repasse à Paris. Par le bout du nez est un autre succès, mais lui plus récent, de l'année 2022. Année électorale, vous vous en souvenez. Avec François Berléand, la pièce mettait face à face un psychiatre et un président de la République. Celui-ci vient d'être élu et il doit prononcer un discours très important. Et dès qu'il ouvre la bouche, il est saisi d'une démangeaison du nez qui le rend incapable de dire son texte. Quel souvenir enfoui est donc à l'origine de cet étrange syndrome ? En guise de bouquet final, je vous propose d'évoquer Un divan des divas, une pièce de Guy Marouani, lui-même psy au cours de sa vie. Marouani a eu la bonne idée de placer en situation d'analyse un régiment de célébrités. Quelques-unes d'entre elles ont composé un spectacle l'an passé au Théâtre Montparnasse. Zorro, Jeanne d'Arc, Marilyn Monroe, John Kennedy, Kafka et Lady Diana se succédaient sur le divan. La pièce, trop disparate peut-être, n'a pas rencontré son public. Peut-être aussi parce qu'il y a des mythes dont on ne veut pas connaître les ressorts cachés. Et oui, toute psychanalyse n'est peut-être pas bonne à faire. Et ça c'est dit, reste à voir Borderline au Théâtre de Passy du mercredi au dimanche. Tout de suite, merci beaucoup Christophe Barbier. Tout de suite, c'est la chronique Flashback de Stéphanie Ranchevski sur Radio J. Radio J. 15h-16h30, Cyrielle Sarah-Cohen. Bonjour Stéphanie. Bonjour Cyrielle, bonjour Philippe, bonjour Daniel. Dans cette rubrique Flashback, nous allons évoquer votre univers culturel à tous les deux. Nous commençons tout de suite avec un de vos choix, Daniel. Il s'agit d'une musique de Vladimir Kosma, qui est la bande originale du film Le Jouet, un film réalisé en 1976 par Francis Weber. Le pitch du film est simple et à la fois croustillant. On demande à un enfant de milliardaire de choisir ce qu'il veut dans un très grand magasin de jouets et son dévolu se porte contre toute attente sur un homme, un journaliste qui traîne dans un coin et qui n'est autre que le maladroit Pierre Richard. Alors Vladimir Kosma, né en 1940, compositeur franco-roumain mais aussi violoniste, chef d'orchestre, réussit à concilier dans ses compositions différentes influences comme celle du jazz, de la chanson populaire, du folklore, mais aussi de la musique classique. Il a bercé l'imaginaire de plusieurs générations de spectateurs avec la création de bandes originales de films à succès, de films à succès comme La Boum, L'As des As, La Chèvre, Le Père Noël est une ordure, La Loue la cuisse et j'en passe. La particularité de ses films est le plus souvent d'être très drôle, tout en exprimant derrière le comique des émotions fortes. Films loufoques qui, comme votre pièce, mettent en avant des comportements limites, borderline, de personnages qu'on découvre finalement vulnérables, mais aussi sensibles et poétiques. D'ailleurs, pour la petite histoire, Pierre Richard confie lui-même avoir eu du mal à jouer ce rôle. En effet, il se reconnaissait dans l'histoire de ce petit garçon. Ce petit garçon, qui semble odieux au début du film, se révèle être un enfant en manque d'affection, qui souffre de l'abandon de son père, homme d'affaires trop occupé pour faire attention à lui. Flashback, le père de Pierre Richard était lui aussi un industriel désintéressé par sa progéniture. Il a d'ailleurs quitté tout de suite le foyer. Le comédien ne l'a rencontré la première fois qu'à l'âge de 7 ans, par hasard, à l'hippodrome de Longchamp. Pourquoi vous aimez cette chanson en particulier, Daniel ça, Rousseau? C'est la chanson qui résonne dans mon portable quand ma femme m'appelle. Ça veut dire quoi? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on adore ce film, que Pierre Richard, c'est quelqu'un que vraiment j'aime beaucoup. Vraiment.
J'aimerais beaucoup le recevoir, vous savez. Ah ben, je vais lui dire. Alors, vraiment, parce que, avec grand plaisir. Mais vraiment, et c'est comme quoi il n'y a pas de hasard, parce que j'ai tourné avec Pierre, et puis à un moment donné, mon épouse, qui aime bien recevoir, bon, en fait, ça serait bien qu'on fasse à la maison un dîner avec Pierre quand même, et sa femme. J'ai dit, bah oui, t'as raison. Et donc, je dis à Pierre de venir, je lui donne mon adresse. On sonne. J'ai peur. J'ouvre. Et Pierre me fait bureau, salon, salle à manger, chambre, salle de bain. Il connaissait l'appartement. Cuisine, au fond, chambre. Il connaissait votre appartement. Il y avait habité. Oh, c'est incroyable. Et ton gamin. Ah, oh, c'est magnifique. Il me dit, mais c'est là où j'ai vécu quand j'étais gamin. C'était un truc de fou quand même, non? C'est magnifique comme histoire. Ça a dû faire remonter beaucoup de choses chez lui. Mais énorme, on en a parlé et tout. Je veux dire, c'est quand même un truc de fou. Vous saviez, Philippe Lelier, cette histoire? Pas du tout, je découvre tous les jours une petite anecdote avec Daniel. C'est incroyable. C'est une très belle histoire. Eh bien, vous lui direz qu'il est bienvenu. Et on m'a confié qu'il était aussi gauche que dans ses films dans la vie. Est-ce que c'est vrai? Écoutez, moi j'avais une cabane au bord de l'eau, pas loin de Paris. Puis avec Jacques Villeray, on aimait bien aller pêcher. Et Pierre dit, mais moi aussi j'aime bien la pêche et tout ça. Et je vais vous dire, il y avait trois lignes. J'ai dit, lance trois lignes. Comme ça, au moins t'en as une qui va peut-être... Oui, et puis j'ai dit, toi celle-là... Elle bouge pas, tu devrais la ramener, la ligne, parce que il se passe rien. Il avait mis la ligne sur la berge d'en face. Et il risquait pas de choper un poisson. Et donc, ceci explique cela, et c'est bien vrai. On va poursuivre avec une autre musique que vous aimez particulièrement, vous, Philippe Lelièvre. Il s'agit de... On va laisser le soin de découvrir ça. Hein, vous en pensez quoi, Stéphanie? Pour me comprendre, de Véronique Sanson. Pour me comprendre, il faudrait savoir qui je suis pour me comprendre. Alors, on connaît Véronique Sanson, auteure, compositrice et interprète française, née en 1949 à Boulogne-Billancourt. Elle a sorti 22 albums studio, elle a vendu plus de 8 millions de disques dans le monde entier. Pianiste autodidacte, elle a commencé très jeune sa carrière musicale, en particulier avec Michel Berger, qu'elle connaît depuis l'enfance et qui devient son compagnon. Elle sort d'ailleurs un premier super 45 tours qu'elle a travaillé avec lui le jour même de ses 18 ans. Et dans cette chanson, la chanteuse dit que pour la comprendre, il faut connaître son passé, sa vie, devenir son ami, se comprendre, comprendre l'autre, se comprendre à travers l'autre. Voilà ce qui préoccupe la relation d'un patient à son psy. En réalité, cette chanson est une véritable histoire d'amour. Extraite de l'album « D'un papillon à une étoile » sorti en 1999, « Pour me comprendre » était d'abord une chanson écrite et interprétée par Michel Berger en 1973, chanson extraite de l'album « Cœur brisé ». Alors pourquoi ce titre « Cœur brisé » ? Flashback. En 1972, Michel Berger est dans un studio et attend le retour de sa compagne, Véronique Sanson, qui est allée chercher des cigarettes. Or, elle semble avoir disparu. Elle ne revient pas. Ce n'est que trois jours plus tard que l'on comprend qu'elle a quitté la France pour les États-Unis. Elle a pris un avion pour rejoindre le musicien Stephen Seale, pour qui elle a un coup de foudre et avec qui finalement elle se mariera et aura un enfant. Bon, alors évidemment, Michel Berger est complètement bouleversé et c'est à ce moment-là qu'il va écrire cette chanson. La relation entre Michel et Véronique s'est toujours construite autour de la musique et toute leur vie, ils ont gardé une sorte de correspondance musicale. Hein. Ils ont continué de s'écrire des chansons indirectement. Vous connaissez « Il manque quelqu'un près de moi »,« Seras-tu là ?» auquel elle a répondu « Je serai là ». Mais en 1992, Michel Berger meurt brutalement d'une crise cardiaque en jouant au tennis à l'âge de 44 ans. 7 ans plus tard, toujours là, Véronique Sanson décide de lui rendre hommage avec cette reprise extrêmement émouvante qu'on vient d'entendre. Pourquoi vous aimez cette chanson précisément, Philippe Lelièvre ? En fait, j'ai des choix assez hétéroclites de musique. Mais il y a des choses qui me touchent et c'est incontournable. Et en fait, les paroles, j'aime la parole des musiques. Qui disent, qui racontent quelque chose qui me touche. Moi, j'ai besoin d'être touché mais au spectacle, au cinéma. J'ai besoin qu'on me parle quelque part. Et pour me comprendre, ça fait aussi appel à moi. C'est pour me. Est-ce que je me suis compris? J'ai pas l'impression encore. C'est pas pour ça que je vais chez le psy. Hein, mais en l'occurrence, est-ce qu'on est compris? Est-ce qu'on est compris pour ce que l'on fait? Est-ce qu'on est compris pour ce que l'on va faire? Est-ce qu'on est compris tout court? Est-ce qu'on est entendu?
ça, plus cette mélodie d'une beauté, d'une tristesse infinie. J'aime ce qui est triste parce que je suis quelqu'un de très gai. Et c'est très beau ce que vous dites. On va poursuivre avec un livre que vous connaissez peut-être et qui sinon pourrait intéresser nos auditeurs puisqu'il est dans le thème, Le mot d'esprit et sa relation à l'inconscient de Freud. Alors effectivement, dans la mise en scène de cette pièce, Daniel, vous avez réussi l'exploit de faire rire à partir de la psychanalyse. Et cela dans un autre genre que celui de Woody Allen. Et c'est pourquoi j'ai pensé que ce livre de Freud s'imposait dans votre univers culturel. En effet, Le mot d'esprit et sa relation à l'inconscient est un livre dans lequel Freud explique en 1905 ce qui se joue inconsciemment dans ce phénomène qu'on appelle le mot d'esprit et qui est capable de déclencher le rire. Freud, médecin psychiatre et neurologue, invente à la fin du 19e siècle la psychanalyse, une thérapie par la parole qui s'appuie sur l'hypothèse d'un inconscient psychique. Il analyse donc différents mécanismes du psychisme qui censurent, refoulent certaines pulsions et leur substituent des images cryptées qu'il faut chercher à interpréter, comme dans les rêves. Alors, flashback, lorsque l'ami de Freud, le médecin Fliss, lui fait remarquer que les jeux de mots finalement reviennent souvent dans son livre « L'interprétation des rêves », Freud répond « Tous les rêveurs sont, de la même façon, d'insupportables plaisantins. Et cela par nécessité, parce qu'ils se trouvent dans l'embarras et que la voie directe leur est fermée. Le caractère de drôlerie de tous les processus inconscients se trouve intimement lié à la théorie du mot d'esprit et du comique. » Alors, cette correspondance entre les deux hommes a certainement incité Freud à écrire son livre, lui qui avait un fort sens de l'humour et qui collectionnait les histoires drôles. D'ailleurs, il y a beaucoup d'histoires drôles dans ce livre hein, qui sont restituées. Et d'ailleurs, chapeau aussi au traducteur qui a réussi à traduire les histoires drôles, les jeux de mots allemands en français. Hein. Et ce que je voulais dire, c'est qu'un des ressorts du comique, je ne l'apprends pas, peut-être l'accumulation, la répétition. Et une des choses justement qui est extrêmement drôle dans votre pièce, c'est cette volonté du psy à vouloir toujours tout expliquer avec des proverbes, on a parlé, hein, des proverbes de plus en plus saugrenus, hein, comme pour essayer peut-être, je ne sais pas, de se convaincre lui-même. On termine avec un spectacle choisi par Philippe. Jean-Martin, c'est un ballet qui se joue à Copenhague en ce moment et qu'on a pu voir à la Villette en mai dernier, qui vous a beaucoup plu. Bah, ça m'a plu, je crois, parce que, pas seulement parce que c'est mon fils. J'ai un de mes fils qui est danseur contemporain et il danse dans cette compagnie de Yann Martens qui est en Belgique. Et j'ai vu un spectacle. Alors c'est pas parce que c'est ses enfants qu'on les trouve bien. Moi, ils font des choses parfois qui ne me plaisent pas. Là, en l'occurrence, c'est un des spectacles qui m'a beaucoup plu sur ces derniers mois. Je l'avais pas vu à la Villette parce que je jouais, mais j'ai eu la chance de le voir avant en Allemagne. Et là, ce soir ou demain, il danse à Copenhague. Et voilà, c'était pour lui faire un petit clin d'œil et lui dire que j'étais fier de lui. Alors, on va écouter une petite musique, hein? On va alors, faire vivre vous pouvez ça. Être fier. Hein? Yann Martin, c'est un chorégraphe flamand qui, dans ce spectacle intitulé, alors excusez-moi pour l'accent, Any Attempt Will End in Crushed Bodies and Shattered Bones, veut d'abord exprimer. Expliquera à Daniel ce que veut dire ce mot. Je vais le dire tout de suite. Il veut exprimer les résistances actuelles face aux oppressions, aux inégalités, aux enjeux climatiques. Donc le titre, qu'on peut traduire, on y est. Par toute tentative se terminera par des corps écrasés et des os brisés. Est une référence à la répression des manifestations et montre que la désobéissance civile peut aussi être une position individuelle. Alors, il joue sur l'alternance entre silence, cri, immobilisme, pression des corps, et on sent toute l'énergie des mouvements face au ralentissement à travers la musique qui s'interrompt, puis recommence, alors que les danseurs eux-mêmes prennent la parole puis se taisent. Alors, la scène devient à ce moment-là un espace de démocratie possible où l'engagement peut commencer par l'immobilité sans être une paralysie. Oui, on entend les danseurs parler. Résister à l'agitation n'est pas qu'une histoire de quantité, malgré le nombre important de danseurs. Pas moins de 17 personnes, de 17 à 71 ans, dont un certain Simon Lelièvre, je vous laisse deviner qui c'est. La question de la résistance nous ramène directement au commencement de votre pièce, dont je ne dévoilerai pas le dénouement.
être déterminé à arrêter sa thérapie alors qu'on n'a pas encore compris ce qui se joue en nous, que notre inconscient refoule toute possibilité d'y accéder, de se comprendre, et précisément ce qu'on appelle en psychanalyse la résistance. Ainsi, au début de la pièce, quand vous dites que tout va bien, que l'analyse est finie, on peut se demander s'il s'agit d'un acte de déni aveugle du patient face à son psy, une sorte de renoncement inconscient à l'analyse, ou si au contraire, la résistance évoque davantage, comme dans le spectacle de Yann Martins, un acte de bravoure, de fermeté et d'affirmation de soi. Et finalement, on se demande qui va vraiment résister, le patient ou le psy. Et c'est bien la question qu'on se pose également sur scène avec vous au Théâtre de Passy. Bravo, Daniel bravo. Rousseau et Philippe Lelièvre, merci beaucoup Stéphanie Ronchevski pour nous beaucoup, avoir fait vraiment. Voyager merci, dans les goûts culturels de nos invités. Et je veux dire que Stéphanie était avec moi également, on était enfin pas loin au Théâtre de Passy. Je crois savoir que vous avez aussi beaucoup aimé la pièce. Ah, pour mon plus grand bonheur, oui. Et ben voilà, on a tous passé un très bon moment. Vous restez encore avec nous sur Radio G dans un instant, notre coup de cœur du jour, notre experte Sandy Boulanger pour le portrait de nos invités, mais aussi une petite séquence tout à fait dans le thème, l'introspection. C'est tout nouveau, tout beau sur l'antenne de Radio G. Je sais que vous aimez bien cette séquence-là. Tout de suite, un peu de musique et puis c'est la pause suivie du journal de l'info. Restez connectés avec nous sur Radio G. Comprendre, il faudrait connaître ma vie. Et pour l'apprendre, devenir mon ami. Mais pour me comprendre, il aurait fallu au moins ce soir pouvoir surprendre le chemin d'un de mes regards, triste mais tendre. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J. Radio J. Avez-vous pensé à tout pour les fêtes de Ticherie, ou plutôt avez-vous pensé à tous pour les fêtes de Ticherie? Au Vahana Rabbanim, la plus grande caisse de Tzedaka d'Israël, soutenue et dirigée par les grands de la génération, ce sont des milliers de familles qui attendent notre aide. Plus que jamais, à l'occasion des fêtes, il est de notre devoir de nous mobiliser. Donnez au Vahana Rabbanim, c'est la garantie d'un don bien redistribué. Il compte sur vous. Vahana Rabbanim, 0800 106 135. 0800 106 135. Ou sur vahanarabbanim.org. Shana Tova. Venez célébrer Ticherie 5784 avec Judaïsme en mouvement. Rassemblement de l'ULIF, du MJLF et de la JTM. Rendez-vous les 15, 16 et 17 septembre, puis les 24 et 25 septembre, en présentiel et en streaming, pour participer aux offices de Rosh Hashanah et Yom Kippour dans les lieux habituels de Judaïsme en mouvement. Venez vivre et partager la ferveur des fêtes de Ticherie avec Judaïsme en mouvement en réservant vos places dès maintenant sur judaïsmeenmouvement.org. Shana Tova. Paris 2024, les Jeux Olympiques, 6 novembre 2023. Un champion du monde, David Tissot, Bocuse d'Or, offre son talent pour aider le million d'enfants défavorisés d'Israël. Ne ratez surtout pas le légendaire dîner haute gastronomie de Meir Panim, Kasher Bet Din, sous le patronage du Grand Rabbin de France et les parrainages d'Arthur et Guillaume Gomez, représentants personnels du Président de la République, avec de nombreux artistes en exclusivité. Réservation 01 42 25 59 27 et meirpanim.fr. Faire. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue tout de suite le journal de l'information avec Eva Soto.
Cyrielle. À la une de l'actualité en Israël, la polémique. Benjamin Netanyahou dénonce des fake news après la réunion d'urgence convoquée par ses ministres de la Sécurité nationale et des Finances. Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich affirment que le gouvernement, dont ils font eux-mêmes partie, aurait approuvé un transfert d'armes en provenance des États-Unis vers l'autorité palestinienne. Les deux responsables d'extrême droite disent que la décision aurait été prise à leur insu. Correspondance à Jérusalem de Pascal Zunshine. Si l'on en croit Benjamin Netanyahou lui-même, puisque c'est quand même le premier concerné, le chef du gouvernement israélien a expliqué qu'il avait en fait validé une décision prise par le gouvernement précédent, donc le gouvernement Bennett, à la demande des États-Unis de renouveler le parc de véhicules blindés de transport des services de sécurité de l'autorité palestinienne. Pas question d'armes, pas question de munitions, on parle uniquement de véhicules, de patrouilles qu'il fallait donc renouveler. Pascal Zunshine, notre correspondante à Jérusalem. Au chapitre sécuritaire, 13 Palestiniens suspectés de terrorisme arrêtés cette nuit des opérations conjointes du Shin Bet, de Tzal et des gardes-frontières en Judée-Samarie dans plusieurs villages, mais aussi dans les villes de Hébron et de Qalqilia. Des armes ont été saisies lors de différentes perquisitions, 4 explosifs désamorcés, mais un autre a endommagé un véhicule militaire. Les forces israéliennes ont été attaquées à coups de cocktails Molotov, de pierres et de mortiers. Les soldats ont riposté avec des mesures de dispersion anti-émeute. Il n'y a pas eu de blessés. Dans l'actualité internationale, la rencontre entre le président Poutine et son homologue nord-coréen, les deux dirigeants se sont retrouvés dans l'est de la Russie. Kim Jong-un s'est dit convaincu que l'armée et le peuple russe remporteront une grande victoire dans la lutte sacrée pour punir ce qu'il appelle le rassemblement du mal. Vladimir Poutine affirme être très satisfait de ce rendez-vous. Moscou veut aider Pyongyang à construire des satellites et à développer un programme spatial. Aux États-Unis, l'Anti-Defamation League publie son rapport sur l'antisémitisme dans les campus. Les groupes étudiants sont de moins en moins nombreux à adopter des résolutions en faveur du boycott d'Israël. Seulement 3 résolutions BDS l'an dernier contre 17 en 2020. Les actes de vandalisme n'ont pas augmenté. Aucune violence physique n'a été signalée. Mais les activités anti-israéliennes ont presque doublé en un an. 629 manifestations de ce type contre 300 l'année précédente. Pour l'ADL, si tous les incidents anti-israéliens sur les campus ne peuvent pas être qualifiés d'antisémites, ils contribuent à un environnement hostile pour les étudiants juifs. En France, un juif victime d'une agression alors qu'il se rendait à la synagogue samedi. Ça s'est passé à Marseille, dans le 13e arrondissement. L'homme en kippa a été victime d'insultes dans sa plainte déposée le jour même. Il a expliqué qu'une voiture aurait fait semblant de lui foncer dessus à 2 reprises. Le conducteur sera ensuite descendu de son véhicule pour l'insulter. Sale race, je vais te tuer. La victime n'a pas été blessée, mais le suspect lui aurait volé sa montre et 2 bracelets. L'enquête en cours a été confiée à la police nationale. La présidente de l'Assemblée nationale porte plainte après un nouveau courrier antisémite envoyé à sa permanence. Yaël Braun-Pivet a reçu des messages de soutien d'élus de la majorité et de l'opposition. Les corbeaux font leur rentrée alertée. Porter plainte systématiquement, a écrit Yaël Braun-Pivet sur son compte X, ex-Twitter. Des mots, illustrés par la photo de l'enveloppe qu'elle a reçue, enveloppe marquée d'une étoile jaune. Yaël Braun-Pivet reçoit régulièrement ce type de menace. La présidente de l'Assemblée nationale ce matin sur France Info. Moi, j'ai fait les comptes justement et c'était la 21e plainte que je dépose en un an. Et donc oui, il faut le dénoncer, il faut porter plainte, essayer de retrouver les auteurs pour pouvoir les poursuivre et les punir. Et puis, il faut dénoncer parce que collectivement, nous avons besoin d'avoir une prise de conscience sur cette résurgence de l'antisémitisme dans notre pays. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Et merci beaucoup Eva Sauton. On vous retrouve demain à partir de 14h sur Radio J. En attendant une courte pause et puis on retrouve mes invités. À tout de suite. David Revaud-Allonne, ça reste entre nous. Retrouvez-moi tous les mercredis sur Radio J pour « Ça reste entre nous ». La politique comme vous ne l'entendez nulle part ailleurs. Les meilleurs spécialistes réunis sans langue de bois, 21h sur Radio J. Radio J. Avez-vous pensé à tout pour les fêtes de Ticherie? Ou plutôt, avez-vous pensé à tous pour les fêtes de Ticherie?
Ovad Arabanim, la plus grande caisse de Sedaka d'Israël, soutenue et dirigée par les grands de la génération, ce sont des milliers de familles qui attendent notre aide. Pour chaque prise en charge d'une famille à 312 euros, recevez chez vous le magnifique couteau en argent avec la bénédiction du Rafraim Kanievski Zatzal, Ségoula pour une bonne parnassa. Il compte sur vous. Ovad Arabanim, 0800 106 135, 0800 106 135 ou sur ovadarabanim.org. Shana Tova. Le magazine S par Sophie Davant. Bonjour, c'est Sophie. Pour fêter ses 2 ans, mon magazine S fait peau neuve pour mieux répondre à vos préoccupations et à vos envies. Santé, psycho, mode, beauté, plein de nouveautés avec les conseils des meilleurs experts, des témoignages et des bons plans pour se sentir bien. Le magazine S par Sophie Davant chez votre marchand de journaux. Cette année encore et plus que jamais, de nombreuses familles de la communauté ont besoin de vous. Depuis plus de 25 ans, Mazon accompagne ces familles afin qu'elles puissent célébrer elles aussi la nouvelle l'année dans la joie et dans la cache-route. Tous les ans à Rosh Hashana, c'est plus de 2000 colis qui sont distribués, composés de 80 produits frais et de qualité. Un colis coûte seulement 60 euros. Envoyez vos dons à Mazon, 34 rue des Grilles, 95 500 Pantin. Ou sur mazon.org. 01 48 21 00 30. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyril Sarah Cohen. Merci de nous rejoindre sur Radio J avec mes invités Philippe Lelièvre et Daniel Russo pour la pièce Borderline au théâtre de Passy. Et on va reprendre cette émission avec ce que j'appelle l'introspection. Tout d'abord une phrase, une citation d'Oscar Wilde qui disait « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Et on va essayer de faire ça maintenant avec cette petite séquence de 10 questions pour nous aider encore à mieux vous connaître. On y va doucement sur la douce musique de Jérémy Ababou. D'abord, Daniel Russo, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi ? Tout. Et rien. Parce que si je suis arrivé là, c'est parce que j'ai eu cette enfance-là. Je vois rien bouger. Philippe Lelièvre. Non, qu'est-ce que... L'enfance, c'est pas nécessairement c'est un chouette souvenir, mais à la fois c'est pas non plus si intéressant que ça. Non, moi, je changerais rien parce qu'effectivement, si on change des choses, on est plus ce que l'on est. Même si on essaie de comprendre, malgré Véronique Sanson, de se comprendre. Mais non, je changerais rien non plus. Vous avez parlé tous les deux d'enfance. Ça aurait pu être un petit peu plus tard. Alors justement, quel conseil donneriez-vous à un enfant pour réussir sa vie? De pas écouter les adultes, non ? Voilà. D'être soi-même. Et surtout, si des gens peuvent se moquer de vous ou quoi ou qu'est-ce, ils ont tort. Et si on doit parler de paroles de psy, on ne dit pas à un enfant tu dis n'importe quoi, parce qu'un enfant il dit des choses, mais il dit pas n'importe quoi. Ça c'est dit. Quel a été le plus bel âge de votre vie et pourquoi ? Ah, mais moi, c'est quand mon père a eu ma garde. Ma vie a démarré là. J'ai bien du mal à répondre à cette question, ou alors je vais inventer la réponse. Et c'est pas le but. Est-ce qu'il y a eu une grande erreur dans votre vie, et comment vous l'avez résolue ? Je sais pas si le divorce de mes parents est une erreur. Mais si c'est une erreur, elle m'a bien servi. Pour réussir votre mariage ? Pour tout réussir. Ouais, j'ai rêvé de ça et vous voyez, moi ça fait 50 ans que je suis avec mon épouse et j'ai pas vu le temps passer. Et je veux pas que ça passe trop vite. Et vous avez raison. Philippe Lelièvre. Alors, est-ce que résoudre quelque chose devient intéressant ? Je crois que j'ai l'impression que je ne résous rien. Je vis avec, ça me construit, parce qu'on apprend de ses erreurs et j'ai eu l'impression d'en faire tellement que je continue à vivre comme ça et de vivre ce moment présent qui pour moi est exceptionnel, surtout quand on est sur scène. Et c'est pas pour rien que ça s'appelle le spectacle vivant, que ça me remplit tellement que... Tout à l'heure, Philippe Lelièvre, oui. Vous nous avez dit « Je ne suis pas dans le présent, je suis déjà dans l'après. » Et là,
vous nous dites je suis dans le présent. Non, mais là je suis dans le moment présent, mais c'est pas quelque chose qui m'anime spécialement. Je suis pas passéiste en me disant ah, dis donc, c'était mieux avant, c'était mieux comme ça, la musique était mieux ceci. Mais c'est je vis le moment présent en pensant à l'avenir. Voilà. J'aime bien quand je lis un livre, par exemple. Quelquefois je lis un livre, alors je peux m'emmerder et je passe 2-3 pages, puis je vais voir un mot et puis je reviens. Et ça vous permet de rester dans le moment présent. Ouais. Quelle est la chose que vous avez fait cette année et dont vous vous souviendrez toute votre vie ? D'avoir rapproché mes parents de moi. Parce que ça devenait un peu compliqué et il a fallu les convaincre. Et maintenant, ils vivent à 1 minute de chez moi. Et c'est important. Je m'en occupe mieux. Ben moi, j'ai ma fille qui a accouché d'une petite fille. Et ça m'a permis de me rendre compte que ce temps, j'aime pas le temps, pour ça je porte jamais le montre, va trop vite. Parce qu'elle, elle vient de m'appeler, ça fait déjà 1 mois. J'ai vu les images et je me dis, mince, ça va trop vite, quoi. J'ai peur de ça, moi. Qu'est-ce que vous aimeriez faire et que vous ne faites pas par peur d'être jugé ? Une bonne claque. À qui ? À certaines personnes, t'as envie de baffer. J'adore cette réponse. Oui, Philippe, là, alors Julien. Ça. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas, j'ai pas tellement de... Un jour, chaque année, je vais récupérer des points de permis. Parce que c'est comme ça. Et j'ai compris, on m'a dit qu'on était verbalisé toutes les 6000 infractions. Ça tombe sur vous. Et en fait, j'aime bien compter mes infractions et m'apercevoir que je ne me suis pas fait gauler. Vous devez en passer du temps à faire ça. Si je vous parle d'amour, cela résonne comme quelque chose de souffrant ou de vivant ? En vivant, très vivant. Unanime sur cette question-là. Oh là là, si vous pouviez changer une chose sur votre corps ou votre personnalité, qu'est-ce que ce serait ? Ma personnalité est tellement chiante que je ne changerais rien. Mais physiquement, j'aurais bien aimé être... Mes fils sont grands, je les admire. Être plus grand, est-ce que c'est vraiment intéressant dans la vie ? Je ne sais pas. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Depuis que je mange beaucoup moins... Je consomme très attention. Je prends plus de poids. Je ne maigris pas. C'est un cauchemar. J'arrête pas de lui en parler, mais c'est vrai. C'est dans la tête, c'est... vous savez. Moins on y pense, plus ça marche. C'est dans je la tête. Faut pas que j'y pense alors. Faut pas penser à la nourriture. Ok, alors à partir de maintenant. On oublie, mais on mange pas trop de chocolat. Je ne vais plus y penser. Non mais la prochaine fois qu'on se revoit. Si vous avez perdu les 5 kilos. Attention, Daniel Rousseau. J'ai beaucoup aimé sur cette petite musique. Ne mange pas trop de chocolat. Vous avez en face de vous le champion du monde, toute catégorie, médaille d'or mis chaque année, du gars qui mange le plus de chocolat. Je vais lui offrir pour la première, parce que j'ai cherché, je me suis dit non, je vais lui faire plaisir. 5 kilos de chocolat, ouais. Bon ben voilà, j'ai bien senti Daniel Rousseau, donc il faut commencer par ça, vous verrez. On va finir avec une dernière question. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de vous ? Ma gentillesse. Mon absurdité. C'est marrant parce que la gentillesse, vous l'avez appropriée à Philippe Lelièvre tout à l'heure. Oui, puis je m'en veux parce que souvent dans ma vie, quand on me dit il y a des choses que vous referiez, j'ai été trop gentil avec certaines personnes, qu'on en profitait. Et donc, c'est peut-être pas une qualité première, mais j'y peux rien, je suis comme ça. Et c'est votre patte. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette séquence en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. Merci d'avoir répondu à tout cela. Tout de suite, c'est le coup de cœur sur Radio J. Et on découvre un coup de cœur aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Bonjour les Balmes. Merci salut, beaucoup d'être mes invités aujourd'hui. C'est un plaisir de vous découvrir en même temps que nos invités principaux Daniel Rousseau et Philippe Lelièvre qui avaient hâte d'écouter il y a une petite minute. Alors vous êtes normalement 4
il me semble. Aujourd'hui, vous êtes deux, il y a Kevin et Pierre. Alors merci beaucoup d'être avec nous. Cette chanson que nous sommes en train d'écouter s'appelle Strange Flower. Elle fait partie de votre dernier album qui s'appelle Lavender, qui ne sort que le 22 septembre. Donc j'ai envie de dire qu'on a une belle exclusivité sur Radio J. Comment vous définissez votre univers ? Sur l'univers, il est assez, on va dire, contrasté, coloré. On essaye de pas avoir, on dit que on fait de rock, plutôt une musique rock, mais elle est teintée de plein de choses et c'est ça aussi qu'on aime cultiver. Donc difficile de mettre un gros tampon là tout de suite sur l'univers et le style. A priori, je me permets, un univers indie rock, on va le voir dans un instant. Je crois que c'est du goût de notre invité Daniel Russo. Hein, parce que c'était rock'n'roll. Hein. Rock'n'roll, mais voilà, on garde quand même un petit peu de rock. Alors, qui fait quoi dans votre groupe et comment il est né ? Alors, on s'est créé il y a 5 ans. On était 4 copains de l'époque lycée-études, avec Valentin qui est le chanteur, Martin qui fait de la basse, du clavier et qui chante, Kevin, ici présent, qui fait du clavier, qui chante également, et moi, Pierre, à la batterie et aux percussions. Et autodidacte. Et ça, c'est important de le dire, je tenais quand même à le signaler. Ce groupe, il est né dans un garage à Rueil-Malmaison. J'ai trouvé ça si drôle de le raconter. Non, mais j'ai trouvé ça vraiment sympa de le raconter. Donc, c'est une aventure que vous appelez une aventure familiale. Et ça, j'ai envie de comprendre pourquoi. Parce qu'il y en a un peu partout, du copain, du cousin, de la voisine, du copain. Alors ça, c'est un truc qu'on a un peu fait pour blaguer dans notre bureau. Tout n'est pas vrai. Mais c'est vrai que le concept de famille nous tient vachement à cœur parce qu'on est, Pierre et moi, meilleurs amis d'enfance. On se connaît depuis qu'on a 11 ans, ça fait 15 ans qu'on fait de la musique ensemble. On a commencé à faire là sur Balm de la musique avec le petit frère de notre meilleur ami. Et puis rencontrer aussi un ami du petit frère. Enfin, là, on est rentré dans un truc qui devient très nucléaire, familial. Un groupe familial, on peut dire ça comme ça, deux passionnés. Vous avez sorti deux EP parus en 2020, Chi, 2021 Basement Tales, et puis ce dernier album donc qui sort le 22 septembre, qui s'appelle Lavender. C'est 8 titres authentiques, artisanaux, qui baignent donc dans cet univers. Et puis Lavender, pourquoi Lavender ? Tout simplement, c'est un clin d'œil à la Drôme. C'est l'endroit où l'album a été imaginé et composé. On va écouter Exode, si vous voulez bien. Oh my lord, I'm addicted to you. As you shine, I will see my way through. I'm afraid, shivers crossing my spine. Tears fall, is it yours? On sent un univers très incarné comme ça, avec, si je puis me permettre, des instruments un peu bruts. Je sais pas si c'est comme ça que vous voulez définir votre musique, mais en tout cas, voilà, on sent ce fil rouge entre tous les titres, sauf un, qu'on va écouter tout de suite. J'ai eu un coup de cœur pour ce titre-là, qui est un petit peu l'ovni dans votre album. Même si Catch Me et Prayer the Sun, c'est le cas de le dire, on a envie d'attraper et de prier pour que le soleil revienne avec nous aujourd'hui. Elle reste dans cet univers très indie rock. Pourquoi cette chanson et comment elle est née ? Je sens qu'elle a une histoire un peu particulière. Elle a une histoire particulière. En fait, c'est un clin d'œil à notre chanteur qui est d'origine portugaise. Et donc ce titre s'appelle Parla Bench et du coup est en portugais. Désolé pour l'accent s'il y a des portugais qui nous écoutent. Ils vont nous détester. Et en fait on voulait aussi dans l'album avoir des moments un peu de respiration, très simple. Nous on joue et on compose beaucoup en acoustique. En fait on aime bien juste se poser, piano, guitare, très simple. Parfois Pierre même n'a pas sa batterie sur lui, donc forcément va juste taper sur des trucs pour faire la rythmique. Et en fait on a cette approche un peu très acoustique, et on s'était dit dans l'album ce serait bien d'avoir des moments de respiration. Et voilà, on est parti sur un petit arpège de guitare. Valentin a commencé à chanter en yaourt en portugais et ça nous a fait marrer. Et on a trouvé ça super beau, donc on l'a mis sur l'album. Voilà. J'ai en tête un chanteur portugais qui cartonne, qui était à la salle Playel. Je perds le nom, mais j'hésiterai pas à vous le dire en off. En tout cas, voilà, c'est dans cet univers et c'est vraiment un très grand succès. Donc je me permets de faire le rapport entre vous deux. On va réécouter Strange Flower, la première chanson, tout de suite sur l'antenne de Radio J. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans cet album, précisément ? Dans cet album, on a voulu un peu raconter
le séjour d'une journée, en allant du lever du soleil à son coucher, avec une prière au soleil au milieu, justement pour le contempler. Et au cours de ce séjour, beaucoup de choses, un peu d'amour, un peu de guerre, des sujets très joyeux, d'autres beaucoup plus tristes, toujours sur le fil, mais au final de la contemplation. C'est comme ça que l'on conclut l'album. Et que vous avez envie qu'on l'écoute de cette manière aussi, j'imagine. Est-ce que vous êtes indépendant ? 100%. Est-ce que vous avez besoin d'un coup de pouce ? On cherche un tourneur. Un tourneur, voilà, c'est lancé. Il y a un petit endroit dans Paris qui s'appelle l'Étoile. Je sais qu'en ce moment, c'est les Étoiles, pardon, et c'est un endroit où beaucoup d'artistes vont pour jouer leur musique, donc ça peut être aussi une piste. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Balm de Bend, également sur Facebook au même nom, et sur YouTube, Balm 9357, je le dis parce que c'est noté comme ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir été notre coup de cœur sur l'antenne de Radio J. Le temps file, alors je dois laisser la place, mais un petit mot si vous voulez bien, peut-être que vous avez envie de dire aux auditeurs, qu'on écoute votre musique, on vous rejoint où précisément, peut-être sur Deezer, Spotify, c'est vous qui dit. Alors on nous rejoint absolument partout, quelle que soit la plateforme que vous écoutez, et on nous rejoint aussi en live, suivez nos actus, on joue bientôt à Enghien-les-Bains, à Saint-Etienne, voilà, et puis d'autres dates qui vont être annoncées. Donc, à Paris, j'espère très très vite. On viendra vous voir avec grand plaisir. Et je suis sûre que l'année prochaine, on vous retrouve sur un festival. Hein, j'en suis quasiment certaine. Merci beaucoup d'être venu nous voir les Balmes sur l'antenne de Radio J. Et tout de suite, c'est le portrait de nos invités. 15h-16h30, Cyril Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude, vous chers invités qui nous connaissez, Daniel Russo et Philippe Lelièvre, vous êtes déjà venus en solo, donc vous savez ce qui vous attend à la fin de cette émission, oh dans ce portrait croisé. On a demandé à Sandy forcément dire. Bonjour Sandy. Il va y avoir des blagues là. Bonjour Daniel, bonjour Philippe. Bonjour. Oui, j'ai l'habitude de faire des blagues quand j'ai beaucoup d'émotions qui sont très fortes dans la sensibilité. Vous m'avez beaucoup touché tous les deux, donc je vais faire des blagues parfois parce que j'ai pas envie non plus de montrer trop mes émotions et d'en susciter trop chez vous. Je ne sais pas. Soyons le cœur joyeux ensemble, mais allons loin dans la philosophie et les côtés existentiels parce que c'est ce que vous nous avez partagé aujourd'hui. Alors Daniel, vous nous avez dit dès le début, comme ça de but en blanc, que vous avez quelque chose à faire dans votre vie. Bah oui, on le voit bien. Hein. Vous avez dit que ne pas avoir eu d'enfance vous a donné une force intérieure. Vous êtes peut-être un alchimiste avant d'être un acteur, non ? Vous avez transformé une espèce de merde en or phénoménal. Oui, ben va savoir. Vous, Philippe, vous nous avez dit, est-ce qu'on peut être content de soi-même, sans avis sur le passé, pour avoir parfois envie d'être juste après-demain ? Alors on a tout de suite compris que vous étiez très dans la psy, hein, que quand on vous pose une question, vous répondez à une question. C'est une déformation. Faire de la politique aussi, alors. On imagine une activité cérébrale chez vous, Philippe, joliment complexe et mouvementée, non ? Très. Mm. Mais, si je peux développer, c'est... Moi, j'ai fait longtemps de l'improvisation pendant des années et j'avais un spectacle d'improvisation tous les jours et je suis allé, après un an, je crois, voir un médecin parce que je n'arrivais plus à ne pas penser, c'est-à-dire à ne pas penser, à ne pas enchaîner mes pensées. C'est-à-dire qu'une chaise me faisait penser à quelque chose, qui me faisait penser à quelque chose, c'était continu, même quand je m'endormais, et j'ai pris un truc, des choses pour m'apaiser, parce que je ne m'en sortais pas. Et ça va mieux alors, du coup ? Ça me fatiguait. Parfois. Oui, ça dépend, ouais. ça se voit. Daniel dit non. Mais c'est faux. On voit. Alors là, tous les deux, vous avez été d'accord pour dire que le théâtre vous a sauvé. Tous deux livrés à vous-même. Avec ou sans amour, finalement, ce n'était pas la question. Mais peut-être que la question, au final, c'est comment as-tu aimé ? Mais celle-ci n'est pas au démarrage de la vie. Alors bien sûr, Daniel, vous êtes battu pour revenir au verbe, au langage, au symbolisme. Vécu comme un challenge, vous ne l'avez pas pris comme une revanche. Alors on comprend bien que vous avez le cœur doux pour quelqu'un qui n'a pas poussé sous le soleil de l'amour escompté. Bravo. Il y a une question essentielle aussi qui a émergé de ce rendez-vous et puis de la pièce que vous présentez tous les deux. C'est qui décide quand c'est terminé ? Alors, on parle de la thérapie, bien sûr, mais sûrement de toute relation intime aussi, non ? Le rire comme thérapie, vous l'avez beaucoup dit tous les deux. Et puis, c'est ce qu'on dit beaucoup ici, quand même, c'est chez nous. Nous avons aussi le rire pour parler des choses difficiles.
toute la difficulté de se parler, de se comprendre et d'agir en conscience. La résilience, qui a été un mot qui a été aussi assez fort de notre moment de temps ensemble, vous avez dit tous les deux à l'unisson, accepter et comprendre qui on est. Alors ce rire du public, mais de nos proches aussi, c'est beaucoup de rigueur, vous avez dit Daniel. Et puis vous avez dit quelque chose aussi d'assez beau, Philippe, vous avez rajouté c'est le salvateur. Vous êtes un beau duo quand même, peut-être vous devriez penser à vivre ensemble parfois, parce que de vous deux émergent des choses vraiment très symboliques, poétiques, sacrées et plus encore. Cyrielle vous propose de changer de rôle. Là aussi, c'est très symbolique, sacré Cyrielle. Et vous acceptez tous les deux. C'est une belle résilience. Rire avec ce qui me fait souffrir, avez-vous dit, Daniel. C'est une spectatrice qui vous l'avait partagé. On sent comme les difficultés sont transformées chez vous à travers votre métier, quand même. Vous avez tous les deux une vaste sensibilité. Vous les gérez chacun à votre façon, de façon assez différente quand même aussi, beaucoup. Philippe, vous êtes réservé, plus pudique, voire une huître. Mais l'analyse, le questionnement et l'action semblent vous permettre de bien gérer ça. Et on a bien compris cette complexité joyeuse que vous avez à être pleinement dans le moment de demain. Daniel, vous êtes généreux dans vos compréhensions, dans vos résiliences, et vous êtes un homme qui dit. Alors comme pour toujours entériner la résilience, mais surtout j'imagine pour donner des clés à ceux qui pourraient en avoir besoin à leur tour, vous utilisez le rire aussi, comme aujourd'hui avec nous, mais comme dans la pièce aussi, pour pouvoir faire passer des messages forts, de ne jamais abandonner. Et encore une fois, non pas comme une revanche, mais comme un cadeau. Vous, Daniel, une musique de film de Cosma, d'un film drôle. Alors que vous, Philippe, une chanson de Michel Berger chantée par Véronique Sanson, de cœur brisé où le silence l'a inspiré. On voit bien vos différences dans vos grandes sensibilités. Je vais terminer, en fait, par le fait que vous êtes deux hommes, deux individus très différents, mais rassemblés, en fait, par cette belle sensibilité. Peut-être êtes-vous hypersensible, camouflé ou pas, différencié par la manifestation, mais surtout deux hommes humanistes, en chemin, joyeusement humbles. Alors merci pour le cadeau de vos ombres et de vos lumières. Et merci à vous, Sandy Boulanger, nous inviter en paire de mots. Merci beaucoup, on vous retrouve tous les mercredis et la semaine prochaine sur Radio J. Radio J. 15h-16h30, Cyrielle Sarah-Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Daniel Russo et Philippe Lelièvre pour la pièce Borderline au Théâtre de Passy. Merci pour cet échange bel envolé dans cette aventure qui, je suis sûre, va rassembler beaucoup de spectateurs et je suis sûre que la pièce ira ailleurs après le Théâtre de Passy. Un petit mot de la fin qui vous revient. Est-ce qu'on dit que si on va dans un autre théâtre, on reviendra ici ? On peut revenir ici ? Avec joie. Eh ben voilà. Eh bien, je vous accueillerai avec un grand plaisir. Donc, si on change de théâtre, on reviendra vous voir. Avec grand plaisir. Voilà. Je serai ravie de vous revoir. Merci beaucoup d'avoir été mes invités aujourd'hui. Merci au groupe Balm d'avoir été mon coup de cœur sur Radio J. C'est Tim Bernardes que je cherchais tout à l'heure. Voilà, donc c'est une très belle référence et c'est digne justement de Tim. Et c'est mieux encore parce que votre univers est très large. Merci beaucoup à la réalisation audio et vidéo Philippe Sinclair. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et rendez-vous demain dès 15h avec le comédien Nicolas Briançon pour la pièce de théâtre Le Mystère de Sony au Théâtre Montparnasse que vous connaissez, chers invités. À demain et belle journée à tous sur Radio J. Merci beaucoup. Merci à vous. Retrouvez tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8.